Bonjour, bonjour. Vous arrivez en nombre. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire, donc les 7 étapes pour attirer plus de prospects qualifiés en ligne, donc qui sera présenté par Gilles Dandel et Alain Pétrissant. Donc, ce sont des franchisés que vous connaissez, hein. Dans notre réseau, ils ont déjà présenté pas mal de webinars. Donc, bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste déjà tester la petite chatbox pour voir si vous m'entendez bien ou pas, si vous voyez mon écran ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Alors moi je t'entends impeccable, j'espère que vous m'entendez aussi. Merci. Ouais, je vous Moi entends. aussi. Une Parfait. minute pour démarrer. Très bien. Ok, bah écoute. Par contre, je vois pas de. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Que Alain est. Oui, moi je t'entends bien. On t'entend bien. Ok, bon. Il nous reste quelques secondes pour accueillir les retardataires. Voilà. Et on peut démarrer en 30, 11h29. Le monde est en train d'arriver, donc ça c'est bien. Plaisir de vous revoir, même si c'est en virtuel et C'est vrai, on aurait pu se mettre sur une terrasse là, en train de boire un verre, boire une bière, ou oui, mais on aurait le temps, quand même. Ah ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout, il fait beau. Enfin, c'est les faut aller soutenir nos amis restaurateurs, faut aller prendre l'apéro. Ouais, exactement. Je veux bien Allez. les soutenir ce week-end. Bon, on commence. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, nous voici aujourd'hui pour un nouveau webinaire, donc les 7 étapes pour attirer plus de prospects en ligne, enfin, plus de prospects qualifiés en ligne, très important. Alors, donc, quelques règles avant de commencer le webinaire. Donc, toutes les lignes sont en sourdine par défaut, hein, comme d'habitude. Vous pouvez poser des petites questions dans la petite chatbox que vous avez en bas à gauche de votre écran. Donc, le webinaire est enregistré, il sera envoyé par les franchisés le lendemain, donc d'ici 24 heures. Si votre son ne fonctionne pas, vous pouvez donc téléphoner à partir de numéros. Donc, si vous êtes en France, bah, ce sera le numéro français. Si vous êtes en Belgique, du coup, ce sera le numéro belge. Donc voilà. Alors, donc, une petite présentation de WSI. Donc, WSI a été créé il y a maintenant plus de 25 ans. Donc, qui est une franchise de base, hein, basée au Canada, alors qu'Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, Google et Facebook n'existaient pas. Aujourd'hui, WSI est un grand réseau international qui compte plus de 800 agences réparties dans plus de 80 pays. Chez WSI, nous vous aidons à trois choses: à développer votre marque, gagner plus de prospects et développer vos ventes, tout en améliorant bien évidemment votre retour sur investissement. Pardon. Alors, donc, rapidement, parce qu'on a une longue présentation devant nous, une longue mais riche présentation quand même. Donc, je vais vous présenter maintenant nos deux intervenants du jour. Donc, Gilles Dandel, consultant WSI Master Franchise France, qui est convaincu que toutes les entreprises devraient avoir un site Internet efficace. Et je partage cet avis avec lui. Je ne dis pas ça parce que c'est mon patron. Non, non, pas du tout. Et nous avons Alain Pétrissant, que vous connaissez aussi, qui est consultant chez WSI, mais spécialiste marketing digital depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, il aide les petites entreprises à faire grandir, à croître tout simplement leur chiffre d'affaires, etc. Alors, donc, je leur laisse maintenant la parole. Ok, bah merci Anissa pour cette introduction, cette présentation rapide. Donc effectivement, on a une présentation qui va être lourde et conséquente. On a 45 slides et 45 minutes, donc ça fait à peu près une minute par slide, donc on va aller assez vite. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le support de la présentation qui vous sera transmis et vous pourrez bien sûr écouter ce webinaire si vous avez besoin. Et bien sûr, votre consultant WSI tiendra à votre disposition pour vous éclairer sur certains points s'il y a des choses qui restent à clarifier. À la fin de ce webinaire, vous aurez une phase de questions-réponses, mais on va tout de suite commencer par l'étape importante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prospect? Et qu'est-ce que c'est qu'un prospect qualifié? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent à avoir
de nouveaux clients, et pas seulement en phase de sortie de Covid, hein, tout le temps. Et donc, on va vous aider pendant ce webinaire, à vous aider à vous poser les bonnes questions et vous donner une méthode pour vous aider à être plus efficace en termes de marketing digital. Donc, les méthodes, c'est les 7 étapes qu'on va vous présenter avec Alain. Et puis, bien sûr, on vous fera une petite synthèse de tout ce qu'on a vu et on répondra à vos questions s'il y en a. Voilà. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Anissa. Okay. Alors d'abord, on va se poser une question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prospect? Alors, un prospect, c'est une personne en général, ou un groupe de personnes, ça peut être une entreprise, qui s'intéresse à vos services et qui serait prêt à devenir client. Bon, c'est pas un inconnu, mais c'est pas encore un client. C'est quelqu'un qui est entre les deux. Et donc, il va falloir, bien sûr, se poser les bonnes questions pour dire comment on fait pour, un, d'abord, avoir plus de prospects, parce que c'est rare d'avoir des clients en direct, surtout quand on est en B2B. Quand on fait de la vente en ligne, bah oui, les gens peuvent acheter directement en ligne, mais même, vous voyez, avec le site marchand, il y a aussi cette phase d'étape intermédiaire où des gens peuvent venir sur un site, s'inscrire, mais pas acheter tout de suite. Donc voilà. Donc en termes simples, un prospect, c'est une personne qui est entre deux, entre guillemets, entre la phase de visiteur inconnu ou de complètement anonyme et la phase de client. D'accord? Alors, donc on a besoin pour le qualifier, on a besoin de son nom, de son adresse email, de son numéro de téléphone. Et évidemment, plus on a d'informations sur son niveau d'intérêt, plus sa qualité va devenir intéressante. Et donc ça, c'est des critères qui sont importants, c'est que tous les prospects ne sont pas égaux. On peut avoir des prospects froids, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu télécharger un livre blanc, puis il a visité quelques pages, mais voilà, on ne sait pas trop plus sur lui. Les prospects tièdes, les prospects chauds, alors là, vous commencez à comprendre de quoi on parle. Un prospect chaud, bah, c'est quelqu'un qui est presque prêt à devenir client. Qu'est-ce qui manque pour le faire passer à l'étape suivante? On va voir ça dans le détail tout à l'heure. Il y a nos amis d'HubSpot qui ont mis des définitions qui s'appellent le MQL et le SQL pour donner une expression à MQL, bah c'est un peu prospect tiède, un marketing qualified lead et un sales qualified lead. Bah là, c'est un lead qui est prêt à être qualifié, à être appelé par un commercial. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, générer des leads, c'est facile, entre guillemets, et c'est important de plutôt privilégier la qualité que la quantité. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans ce webinaire. Posez-vous les bonnes questions, c'est quoi un bon prospect et comment on fait pour les qualifier? Alors, on a fait un petit schéma, je pense qu'il y a une animation qui représente les 7 étapes clés pour attirer plus de prospects qualifiés. Et j'insiste sur le mot qualifié parce que ça fait une différence fondamentale. Générer des leads, encore une fois, c'est facile, mais générer des leads qualifiés, ça, c'est plus compliqué. Et donc, si on suit ce process qui est détaillé ici, un, déjà définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est quoi un prospect qualifié pour vous? Deux, c'est qui le buyer persona? C'est quoi le profil de votre client idéal? Quel est le parcours d'achat? Quel est le contenu, l'offre qu'il faut lui présenter? Ne vous inquiétez pas, on va détailler ces 7 chapitres dans la suite de la présentation. Hein. Donc là, je vais aller vite. Comment on va l'attirer avec du contenu et l'intéresser avec une offre pertinente? Est-ce que notre chemin de conversion, de transformation de visiteur est optimisé? Quel canal il va falloir privilégier pour essayer d'attirer les bons prospects? Et enfin, comment on va mesurer la performance de tout ce processus-là, qui est, vous imaginez bien, un processus important. Voilà toutes les étapes qu'on va développer aujourd'hui. Et donc, Anissa, ben, slide suivante. Voilà, je ne vais pas redévelopper tout ça, mais je vais laisser la parole à Alain qui va commencer par ouvrir le bal sur cette question importante, définir ses objectifs. Oui, très bien, bonjour à tous. Oui, la première étape, c'est définir ses objectifs. Et plus particulièrement, c'est ce qui est assez difficile la plupart du temps, c'est de définir de combien de prospects vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de revenus. Alors, je vais expliciter ça avec quelques chiffres, un petit tableau très simple. Imaginons que votre objectif est de faire, après une campagne marketing, 100 000 euros de revenus supplémentaires. Et que votre prix de vente moyen de votre produit est 1 000 euros. Ça veut dire très simplement que vous devez faire 100 nouvelles ventes. Donc, toute la question est de savoir combien de prospects vous devez générer pour faire les nouvelles ventes. Donc, il y a un ratio très important à pouvoir évaluer. On va le voir tout à l'heure, c'est très compliqué de l'évaluer. C'est le taux moyen de signature des prospects
en clients. Là, on a mis 10%, ce qui est très élevé, mais ça nous permet d'avancer dans le raisonnement. Donc, si vous avez 10% de signatures parmi vos prospects, vous devez générer 1000 prospects supplémentaires pour faire 100 ventes. Intervient la notion de coût du budget à investir. Si vous avez un coût moyen pour générer un prospect de 20 euros, vous avez un budget total de 20 000 euros pour générer 100 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, si Anissa, tu veux bien cliquer pour mettre l'animation. Voilà, donc ce modèle est très puissant parce qu'il vous permet de prédire vos ventes et de les rapprocher, de les lier avec des investissements. Donc, vous voyez très bien que pour un budget total de marketing, vous investissez 20 000 euros, que vous avez 100 000 euros de revenus supplémentaires. C'est une affaire très profitable et vous avez tout intérêt à investir. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a des difficultés à surmonter. Je vais m'attarder sur une, Anissa, s'il te plaît, qui est le fameux taux de conversion des ventes. Donc là, sur ce graphique, vous avez la présentation d'un entonnoir de conversion basé sur le cycle de vie des prospects. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour obtenir un prospect et ensuite le transformer en vente. Et vous voyez sur la suite de flèches vertes que vous avez beaucoup, beaucoup de déperditions lors du cycle de vie des prospects. Admettons que vous ayez un site internet et que vous fassiez du Google Ads ou d'autres campagnes publicitaires et que vous avez 4,4% des gens qui viennent sur votre site internet qui remplissent un formulaire. C'est ce qu'on appelle des prospects qualifiés par le marketing. Donc, ça vous donne déjà 4%, mais ces 4% vont se réduire parce que lorsque le marketing va passer les contacts aux ventes, aux commerciaux, les commerciaux vont accepter certains prospects et refuser d'autres parce qu'ils les connaissent déjà, parce que c'est des faux prospects, et ainsi de suite. Admettons que c'est 60%, les ventes, les commerciaux vont aller plus loin, ils vont contacter ces prospects et qualifier en termes de commerce de vente ces prospects, c'est-à-dire qu'ils vont simplement valider qu'ils ont un besoin à court terme et qu'ils ont un budget. Là, il y a de la déperdition, ils perdent à peu près la moitié des prospects, et donc 49%. Et ensuite, ces prospects qui ont un budget et un besoin immédiat, il faut les transformer en clients. Il y a de la concurrence et ils vont transformer 20% des nouveaux clients, 20% des prospects qui restent en nouveaux clients. Donc, vous voyez, il y a toute une chaîne de valeur dans le cycle de vie des prospects. Et il est nécessaire pour réussir vos prévisions, réussir à établir des objectifs précis, de connaître quel est le taux de transformation à chaque étape du prospect. Anissa, s'il te plaît. Voilà, donc il y a des modèles qui existent. Nous, WSI, nous en avons, nous les appliquons chez nos clients. Ces modèles dépendent des offres que vous faites, des produits que vous vendez, des services que vous vendez, si vous êtes en B2C ou B2B. Mais il est très important de pouvoir établir ces modèles, de modéliser de manière à pouvoir prédire vos ventes et surtout à savoir exactement quel est l'investissement marketing et communication que vous devez mettre pour atteindre vos objectifs de revenus. Alors, on va s'intéresser aux avis à cette étape. Hein, là, on vient de commencer par les objectifs et c'est important de savoir ce qu'on veut atteindre comme résultat. Et ensuite, il faut se poser la question, c'est qui est-ce qu'on cherche à attirer? C'est qui le profil de votre client idéal? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Simon Sinek, qui dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Ça peut aussi vous aider à attirer des bons clients. C'est un exercice difficile, hein, définir le profil de son client idéal, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que le marketing, ça coûte cher. Vous avez vu, là, Alain nous expliquait là, qu'il y a tout un parcours, il y a des étapes de conversion, nanana, et on se doute bien que plus le lead est qualifié en amont, plus le taux de transformation derrière sera élevé. Donc, ça commence dès le début à se poser les bonnes questions et essayer d'attirer les bons clients. Donc pour ça, on vous invite à travailler sur le buyer persona, donc le profil de votre client idéal, qui est une représentation fictive de votre client idéal. On va se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi? C'est quoi ses problèmes? Quels sont ses challenges? Et pourquoi il devrait devenir client chez vous plutôt que chez un concurrent? Voilà. Si on sait répondre à ces trois questions-là, c'est déjà pas mal. Slide suivante, si tu veux. Voilà. On peut aussi te poser des questions du style.
C'est quoi notre marché cible? Est-ce que c'est B2B, B2C? Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un patron d'entreprise? Est-ce que c'est un responsable marketing? Est-ce que c'est un décisionnaire? Qui est le décisionnaire dans le processus d'achat? Quels sont les problèmes de nos buyer persona? Et comment, avec notre solution, comment notre solution, on arrive à résoudre leurs problèmes? Donc déjà, si vous connaissez la réponse à cette question-là, si vous avez fait un gros pas en avant, parce que vous savez quel problème les gens recherchent. Et pourquoi c'est important de connaître le problème de leurs clients? Parce que c'est ce qu'ils recherchent. Les gens recherchent une solution à leurs problèmes. Donc si vous avez une solution à leurs problèmes, ben, vous avez des chances de trouver d'avoir comme client. Et ensuite, il va falloir se poser la question, c'est où est-ce qu'ils cherchent de l'information pour résoudre leurs problèmes? Est-ce qu'ils vont sur Internet? Et sur Internet, sur où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont sur Google? Est-ce qu'ils vont sur Amazon? Est-ce qu'ils vont sur YouTube? Bref, plus vous aurez cette information-là en amont, plus vous pourrez faire du marketing efficace, puisque vous allez vous rendre visible là où vos clients vous cherchent. C'est toujours plus facile de pêcher les poissons là où ils sont que d'aller essayer de pêcher dans le grand océan en disant, tiens, je vais peut-être attraper un thon aujourd'hui. Ben non. Voilà, donc slide suivante. Merci Anissa. Donc comment on fait pour créer des buyer persona? Bon, il y a deux méthodes, bon, il y en a plusieurs, mais il y a deux méthodes qu'on aime bien chez WSI. La première méthode, c'est de s'appuyer sur vos clients existants chez vous, hein. On peut aller interviewer vos clients, on peut demander à vos commerciaux, on peut voir les données qu'il y a dans votre site internet, si vous avez mis en place un CRM, si vous avez bien segmenté, etc. On arrive peut-être à récupérer des informations. Et puis, il y a une autre méthode qui est par sondage. On peut faire aussi des recherches, utiliser Google Analytics, Google Trends. Enfin, il y a plein d'outils à Internet qui nous permettent de comprendre et vous aider à vous poser des questions pour trouver le profil de votre client idéal. Voilà, c'est la suivante, si tu veux bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a récupéré, qu'on a fait ce sondage, qu'on a fait ce recueil d'informations, ça peut être intéressant de faire un atelier et de mettre tout le monde d'accord et formaliser le profil de votre client idéal à travers ce qu'on appelle un atelier buyer persona, un atelier persona, où on va synthétiser tout ce qu'on a identifié, retenu et validé par les équipes concernées. Donc, ça peut être bien d'avoir dans ces équipes, des réunions d'équipe, des commerciaux, bien sûr, parce qu'ils les connaissent, mais aussi, pourquoi pas des ADV, pourquoi pas l'équipe marketing. Enfin, tous ceux qui connaissent les clients peuvent contribuer à préciser le profil de vos clients idéaux. La suivante. Alors, à quoi ça ressemble une fiche persona, le résultat d'un atelier persona? Ça ressemble à ça. On a mis deux exemples. Alors, on aime bien leur donner un nom, ça c'est pas mal. Et idéalement, on essaie de trouver un client qui a déjà le profil de votre client idéal, le meilleur de vos clients, le meilleur de vos meilleurs clients idéaux. Vous pouvez l'identifier, lui donner un nom. Et puis vous décrivez le plus possible sa bio et vous renseignez bien sûr ses attentes, ses problèmes, ce qu'il recherche, ce qu'il ne veut pas, ce qu'on appelle une empathy map, qui va vous permettre de formaliser tout ce qu'on recherche. Et je vous encourage tous à garder en mémoire le profil de vos clients idéaux, hein. Mettez un nom, ça permet de personnaliser. Voilà. Donc il y a Julia Papa ou Sacha la startupeuse qui vont maintenant parcourir le parcours d'achat. Voilà, donc une fois que vous avez défini vos objectifs, que vous avez bien compris quels sont vos personas, vos clients idéaux, il faut que vous travailliez sur le parcours d'achat, c'est-à-dire tout le parcours au cours duquel vous allez accompagner le prospect pour le transformer en client. Pour cela, il y a trois grands moments d'interaction que vous avez avec vos prospects qui sont la sensibilisation, l'intérêt et la décision. La sensibilisation, c'est le moment où vous allez capter l'attention du persona en lui présentant votre concept, en lui présentant le type d'offre, le marché sur lequel vous êtes, l'intérêt, vous allez commencer à l'intéresser à votre offre elle-même. Il n'a pas encore pris sa décision. À ce moment-là, c'est juste un message pour qu'il comprenne que vous pouvez répondre directement à ses problèmes, à ses centres d'intérêt. Et puis la décision, c'est le stade ultime où il va vous mettre en concurrence, il va décider de vous prendre ou pas.
Alors, si Anissa, tu veux bien changer de page, je reprends l'exemple de Julien l'enthousiaste. C'est un persona qu'on a créé pour un client, le programme Bénévolence, qui développe un programme sur le web pour accompagner les jeunes parents dans l'éducation, dans la relation avec leurs enfants. Donc, en période de sensibilisation, on travaille sur le personnage Julien qui a certaines difficultés et qui n'arrive pas à résoudre et qui va chercher de l'aide et des conseils sur le web. Donc, il s'agit de capter son attention à travers des réponses aux problèmes qui se posent. L'intérêt, c'est une deuxième phase, une deuxième partie du site Internet qui va être centrée sur la présentation du programme et sur la présentation des premiers conseils, des premières astuces qui vont en quelque sorte l'appâter, qui vont l'intéresser au programme. Et puis la décision, ça va être la page de présentation des différents abonnements au programme. Il décidera ensuite sur quel package il va investir pour résoudre ses problèmes. Anissa, voilà. Donc, le point très important à avoir en tête, c'est que le parcours d'achat, c'est vous qui allez le créer, il va être très différent selon votre situation, selon le marché que vous adressez, selon les produits et les services que vous vendez. Pour illustrer ces propos, on a pris deux exemples de parcours. Un parcours B2B, par exemple, on va partir d'un site web, on va attirer quelqu'un sur le site web, on va lui proposer un document, un livre blanc, une infographie, donc de l'information en mode téléchargement ou pas, de manière à le sensibiliser. C'est ce qu'on appelle, on va transformer ici le prospect en marketing, en lead qualifié par le marketing. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour l'intéresser à l'offre et pour l'amener à la décision. Donc là, on va lui apporter d'autres possibilités de test, de tester votre offre avec des opportunités d'abonnement gratuit sur 15 jours ou des opportunités d'essai, de démonstration de vos produits. Par exemple, c'est très utilisé dans le domaine du logiciel. Sur un site e-commerce, on ne va pas du tout avoir cette structure, on va garder la structure plutôt, mais on ne va pas du tout avoir les mêmes éléments de la structure. En gros, on a deux grandes phases. On va accéder au site. Il faut avoir un site optimisé pour lui permettre de prendre la décision d'achat lors de la visite du site. Mais même une fois que l'internaute aura pris la décision d'achat, il y a un nouveau parcours qui commence, qu'il faut prendre en considération. C'est le parcours du panier du paiement, où là, il y a de nouvelles questions qui vont se poser à lui, telles que les frais de transport qui peuvent être rédhibitoires dans certains cas. Et c'est une fois qu'on a résolu tous ces problèmes qu'il y aura la vente. Donc, c'est à vous de déterminer quels sont les différents parcours que vous allez proposer à vos prospects, selon les prospects. Et là, ça pose la question que va développer par la suite Gilles, la question du contenu. Alors, pour illustrer ces propos, j'ai pris un exemple du voyage en Corse. Voilà. À chaque étape, sensibilisation, intérêt, décision, je vous ai dit que vous allez accompagner votre prospect. Et la meilleure façon de l'accompagner, c'est avec du contenu. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut partir en vacances, en mode sensibilisation, vous allez travailler sur son envie de vacances, vous allez essayer de satisfaire une interrogation majeure qui est où est-ce que je vais partir en vacances cet été? Là, vous pouvez passer par des articles dans la presse, par différents outils pour lui donner l'envie d'aller en Corse pendant l'été. Une fois qu'il a cette envie qui a fait jour, s'il dit OK, je vais partir en vacances en Corse, là maintenant, il faut l'amener vers votre proposition de valeur qui est celle d'un gîte en Corse. Donc, vous allez travailler par exemple sur des guides où vous allez valoriser l'offre qui est celle des gîtes. Et vous allez vous positionner, vous allez comme ça lui induire un intérêt pour passer des vacances en Corse dans un gîte. Il est dans sa décision. Là, il va comparer votre offre avec celle de vos concurrents. Et donc, à nouveau, il faut lui fournir des informations sur le site, sur des catalogues, sur des revues, sur votre offre et la valoriser spécifiquement avec des arguments. En général, c'est le prix et c'est la disponibilité des arguments spécifiques pour faire sa décision.
Donc, vous voyez qu'une fois que vous avez défini votre parcours d'achat de vos clients, de vos prospects pour les amener à devenir clients, il y a la question du contenu que vous allez lui proposer pour l'accompagner qui se pose, et c'est ce que va développer Gilles maintenant. Alors effectivement, hein, on voit bien qu'en fonction du parcours d'achat, il faut présenter des contenus qui sont adaptés aux différentes phases du parcours d'achat du visiteur. Et c'est ce qu'on appelle la cartographie du contenu. Donc ça commence par déjà faire un inventaire, slide suivant peut-être, ça. On va aller vite, hein. Et voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on... Il va falloir fournir peut-être plusieurs exemples de contenu pour les mêmes étapes. Parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et ça, c'est important. Même si vous avez le profil de votre client idéal en tête, votre profil de client idéal, ça peut être dans la vraie vie un homme, ça peut être une femme, ça peut être un jeune, un moins jeune, un senior. Et donc, en fonction de la vraie personne, son avis sera différent. Et donc, il va falloir quand même essayer de personnaliser, adapter, proposer plusieurs contenus en fonction des différentes phases, pour optimiser le parcours d'achat, la progression de votre buyer persona dans le tunnel de vente. Voilà, j'utilise du jargon, là, je suis désolé, mais c'est important. Donc, on a commencé par les personas, on a documenté leur parcours B2B, B2C, tu as bien fait de rappeler la différence, c'est important, Alain. Et donc, maintenant, il va falloir identifier quel contenu fonctionne le mieux pour chaque phase du parcours. Et donc, déjà, on peut faire un inventaire de ce que vous avez comme contenu existant. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On peut regarder même sur votre site internet s'il y a déjà des contenus qui sont bien organisés. Et puis, on va essayer d'identifier ce qui manque, ce qu'il faudrait peut-être mettre à jour, corriger, faire évoluer, parce que ça a besoin d'être rafraîchi peut-être. Et donc, on va faire cet inventaire et se dire, voilà, on sait ce qu'il faut faire et maintenant il n'y a plus qu'à le faire. Donc, c'est la suivante. Parce qu'on est dans ce fameux processus, ce fameux tunnel de vente, cet entonnoir de conversion hein, que vous connaissez tous. Alors, c'est clair qu'au départ, il faut des contenus qui vont essayer d'intéresser le plus grand nombre possible de gens pour les sensibiliser au fait qu'ils ont un problème et qu'il y a peut-être des solutions à leurs problèmes. Donc, on donne des informations neutres. On n'est pas obligé encore de parler de nous, de votre offre, etc. Mais on dit, voilà, il y a des solutions, il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants et il y a des parents qui ont trouvé des solutions. Ah bah tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir lesquelles. Et donc, on rentre dans un processus et on peut peut-être commencer par des exemples et on va donner des exemples de contenu. Après, on a la phase d'intérêt. Alors là, maintenant, on veut vraiment convaincre une personne de s'intéresser à notre offre. Donc là, on va commencer à lui présenter notre solution. Et la phase de conviction, bah là, c'est faut le rassurer sur le fait que vous avez la meilleure offre du marché du moment et que s'il n'achète pas votre produit, bah, il fait une erreur. Donc, c'est le côté. Et tout ça de manière automatique 24h sur 24 sur site, puisque c'est Internet qui s'occupe de tout. Hein. C'est un commercial en ligne hein, dont on parle. Donc, voilà. Donc, petit conseil pratico-pratique. Lorsque vous préparez vos contenus, essayez de répondre à ces questions qui sont simples, hein. Est-ce que ça peut intéresser mes prospects? Est-ce que ça a de la valeur pour mes prospects, ce que je donne comme information? Est-ce que ça les aide à résoudre un problème? Alors, cette notion de valeur est essentielle, hein. Plus l'offre que vous allez vous donner ou le document que vous allez leur donner a de la valeur, plus ils seront enclins à remplir un questionnaire qui sera peut-être plus compliqué que s'il y a beaucoup de valeur que s'il ne l'est pas. Donc, plus votre contenu a de la valeur, plus il sera pertinent, plus il sera intéressant, plus les gens seront enclins à renseigner le formulaire que vous allez leur donner. Donc, c'est vraiment une étape essentielle, hein. Plus votre contenu a de la valeur, plus les gens qu'on arrive à faire venir sur le site sont motivés, et bien plus vous arrivez au taux de conversion qui sera élevé. Et donc, c'est une étape essentielle. Si vous voulez faire des économies sur le budget marketing, de récupérer, d'attirer les bonnes personnes en leur donnant de l'information de valeur. Voilà. La suivante. Alors, quelques outils pour vous aider à trouver des informations pour mettre à jour
au contenu. Il y a des outils classiques, hein, SEMrush, c'est un outil qu'on aime bien chez WBC, qui donne beaucoup, beaucoup d'informations sur quels sont les mots-clés, la fréquence de recherche des mots-clés qui peuvent vous intéresser. Google Trends, qui va vous donner une vision sur la fréquence d'évolution de ce mot-clé, est-ce qu'il a un côté cyclique, ou est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est en progression ou en déclin, et puis peut-être même vous donner des idées de mots-clés intéressants. Puis il y a Answer de public qu'on aime bien aussi. Alors même si c'est en anglais, ça n'empêche pas d'utiliser cet outil pour vous donner des idées d'inspiration. Alors justement, slide suivante, si tu veux bien, Lisa. On voit par exemple qu'est-ce que recherchent les gens. Ça peut être et donc Answer de public va vous dire, ben voilà les gens, voilà les questions que se posent les gens autour d'un sujet. Donc là, on a pris l'exemple du marketing automation. Bon, on est dans le sujet, hein. Ben, par rapport au marketing automation, il y a 3600 sujets qui parlent du marketing automation. Et alors, on sait, il y a des informations sur la difficulté, etc. Mais vous avez des exemples de questions, par exemple, comment fonctionne le marketing automation? Ben, il y a des gens qui se posent ces questions-là. Ben, si vous avez des réponses à ça, vous pouvez faire un article en disant, ben voilà, on a fait un livre blanc, voilà une vidéo, voilà quelque chose qui explique de manière concrète ce que c'est que le marketing automation. Donc chez WBC, d'ailleurs, ça tombe bien, on a fait un lexique, un glossaire sur le marketing automation. Si ça vous intéresse, on pourra vous le transmettre avec plaisir. Donc on se sert de ce genre d'informations parce que c'est ce que recherchent les gens. Les gens comprennent que marketing automation, c'est important, mais ils ne savent pas ce que c'est en fait. Donc plus on les aide à comprendre ce que c'est, plus on va paraître comme crédible, sérieux, et au moment venu, ils seront peut-être enclins à nous consulter. Donc voilà, Answer de public va vous donner des tas d'idées, même si c'est en anglais, c'est pas grave, traduisez-les, parce que les questions que se posent nos amis anglais, c'est les mêmes questions que se posent nos amis français, que je peux traduire en français. Donc c'est un très bon outil pour ça. Hein. Alors, faut parler un petit peu anglais, bien sûr, mais c'est quand même pas très très compliqué. Voilà, je te Oui, laisse la place pour le chemin. voilà, donc une fois que vous avez établi vos questions, que vous avez établi votre contenu, on descend encore plus dans le détail sur les étapes pour générer des prospects. Il faut mettre en place des chemins de conversion qui sont adaptés à chaque type de contenu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chemin de conversion? Il y a un exemple, Anissa, s'il te plaît. Un chemin de conversion, c'est toutes les étapes du parcours digital que va suivre votre prospect pour accéder au contenu. Donc, celui qui est ici est un exemple. Il y en a d'autres, mais il reprend les grands éléments des structures du chemin de conversion. Donc, vous partez d'une recherche faite sur un moteur de recherche. Le visiteur arrive à une page de votre blog est référencé, il arrive sur la page, et puis ensuite, sur la page, il y a un bouton qui lui propose de télécharger un document, un e-book en l'occurrence. Il est envoyé sur une landing page qui présente l'intérêt de l'e-book pour le convaincre, puis il va remplir un formulaire très important. C'est là que vous allez capter des informations sur le prospect. Il clique pour recevoir l'e-book, il reçoit une page de remerciement et un lien pour le téléchargement de son e-book. Donc, tous ces chemins de conversion, il faut les multiplier pour faire maturer votre prospect et le qualifier tout au long du parcours d'achat. Donc, ce qui est très important, c'est de définir quels sont les téléchargements de contenu, quels sont les contenus, le format des contenus que vous allez donner. J'ai pris un exemple de ce que vous pouvez faire selon les différentes étapes. C'est un schéma que je propose à mes clients. Ce qui marche très bien pour sensibiliser, c'est tout ce qui est vidéo, motion design, infographie, tout ce qui est très visuel, graphique, des livres blancs sur des grandes tendances marché, des grandes tendances de concept. Pour intéresser, là, il faut que vous rentrez vous-même, que vous mettiez en scène vous-même. Donc, ce sont des webinaires, ce sont des événements. J'espère que ça va revenir, des événements physiques. Vous pouvez aussi faire des études de type business case, ROI. Et enfin, pour convaincre, ce qui marche beaucoup, je vous l'ai déjà dit, ce sont les démonstrations de produits, mais c'est aussi des choses qui sont relatives à vos clients actuels, des témoignages clients, des études de cas, et puis des infos produits très détaillées. Ça, c'est beaucoup pour les sites e-commerce, des benchmarks, des comparaisons de produits. Donc, on parle d'entonnoir pour arriver à qualifier de manière
automatique l'ensemble de vos prospects jusqu'à la décision. Il faut avoir en général ce type de contenu à proposer en téléchargement. Et on arrive, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus chez un des clients. C'est un éditeur de logiciels. On a utilisé trois lignes magnettes. Donc, des lignes magnettes, ce sont des contenus forts qui vont s'adresser aux clients. Pour la sensibilisation, on a repris, d'où l'importance sur la cartographie des contenus, des vidéos qui existaient déjà chez notre client. Pour l'intérêt, on a fait un livre blanc expliquant un business case. Et enfin, comme c'est un éditeur logiciel, là c'était assez évident, on a mis une demande de démo gratuite en possibilité, en disposition des clients, des prospects, pardon. Et j'ai mis quelques chiffres, on est arrivé en 3 mois à 12 prospects qualifiés, c'est-à-dire 12 prospects qui ont été sur la démo, qui ont été pris en charge par les commerciaux, alors qu'on est parti sur un total de 3 800 visiteurs par mois. D'où l'importance de bien connaître les taux de conversion. Alors, on arrive à. C'est l'avant-dernier chapitre, vous vous rappelez, cette étape. Donc, on en est à la sixième et on parle de canaux. Alors, ça veut dire quoi les canaux? Bah, c'est des canaux qui vont vous permettre de promouvoir vos offres. Donc, slide suivante, si tu veux bien, Anissa. Voilà. Le marketing digital est un outil magique parce qu'il propose plein de moyens de faire connaître votre offre à vos clients cibles. Il y a cinq méthodes principales qu'on va présenter rapidement. La plus intéressante, sur laquelle tout le monde souhaite utiliser, parce qu'elle est gratuite, c'est le référencement naturel. Donc, c'est comment on arrive à rendre visible sa page, son site à nos prospects idéaux à travers un bon référencement sur Google, par exemple. Donc, ça, évidemment, tout le monde rêve de ça. Le problème, c'est que ça prend du temps, le référencement naturel. Ça peut être excessivement long quand on est sur des marchés concurrentiels, comme par exemple le cas de ton client, où tu as dû utiliser justement le référencement payant pour générer des leads rapidement. En utilisant Google ou d'autres techniques pour amener du trafic en achetant ce trafic auprès de Google. Donc là, il y a des stratégies de ce qu'on appelle de référencement payant. Donc l'avantage du référencement payant, c'est que c'est hyper réactif, quoi. On achète, boum, le lendemain, on a des résultats. Ça va très vite. L'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est payant. Mais ça permet de démarrer très rapidement et puis ça s'adapte à votre budget. Vous pouvez, en fonction des résultats que ça génère, vous pouvez décider d'accélérer, de freiner, de ralentir, et puis bien sûr d'optimiser, parce qu'il y a un vrai travail d'optimisation de vos campagnes de référencement payant. Et ça, c'est vraiment une affaire de spécialiste, hein. Je ne lance pas, je vous déconseille de vous lancer tout seul à faire ça. Vraiment faire appel à des spécialistes pour tout ce qui est ces techniques de campagne, de référencement naturel, de référencement payant, etc., même de réseaux sociaux, il ne suffit pas de faire un post sur sa page Facebook ou sur son compte LinkedIn pour avoir des résultats mirobolants. Si vous avez de très bons résultats comme ça, mais en général, ça nécessite un petit peu d'expertise. Et ça tombe bien, parce qu'on est là pour vous aider justement. Il y a tout ce qui est display. Donc, ça, le display, c'est des campagnes de publicité. Un peu comme des panneaux publicitaires sur les routes, ben là, c'est des panneaux publicitaires sur les sites internet qui vont inciter les internautes à découvrir votre offre avec des images, des visuels impactants. Donc, on est dans de l'information visuelle, hein, principalement avec des call to action qui amènent toujours les gens sur votre site. Et puis, ce qui marche le mieux aujourd'hui, il ne faut quand même pas l'oublier, l'emailing, ça reste hyper efficace. C'est ce qui présente le meilleur retour sur investissement. Encore faut-il avoir une base de données qualifiée pour envoyer à la bonne personne le bon mail au bon moment. Donc ça, c'est hyper puissant, l'emailing. Ça reste l'outil de promotion le plus efficace en termes de retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'on vous encourage tous à travailler vos bases de contact et surtout l'optimiser pour ne pas perdre de contact, c'est essentiel, hein. Une fois que vous avez réussi à collecter une information, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir. C'est ce qu'on va voir tout de suite après, slide suivante, si tu veux bien. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez
collecter des informations, notamment l'adresse email de la personne, et bien là, c'est magique parce que vous pouvez revenir vers elle facilement. Donc, dès le début, la première chose que vous devez essayer de récupérer, c'est l'adresse email de la personne. À la limite, s'il n'y a qu'une seule chose à récupérer, c'est ça. Parce qu'une fois que vous avez l'adresse email de la personne, vous êtes capable de revenir vers lui gratuitement, quasi gratuitement. Ça coûte rien d'envoyer un email. Donc, pensez à capter son adresse email et si vous pouvez capter plus d'informations, faites-vous plaisir, ne vous empêchez pas. Et donc, quand vous allez payer, soit en référencement naturel, parce que même si c'est gratuit, à un moment donné, c'est du travail, c'est du boulot, c'est de la rédaction, c'est du contenu, c'est plein de choses. Et donc, c'est pas, il n'y a rien de gratuit dans le bas monde. Donc, le référencement payant, c'est pareil, bah, c'est payant. Le marketing de contenu, les réseaux sociaux, tout ça, c'est payant. Donc, essayez de récupérer le plus vite possible au moins l'adresse email. Parce que derrière, vous allez pouvoir faire de l'email marketing, du marketing automation. Mais vous allez pouvoir aussi mettre en place des pixels qui vont bien faire du retargeting pour les gens qui sont venus mais qui n'ont pas complètement, qui n'ont pas fait tout ce que vous voulez qu'ils fassent. Vous allez pouvoir utiliser toutes ces techniques pour les faire progresser dans votre parcours d'achat. Hein? Donc l'email, c'est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour faire progresser votre internaute dans le parcours d'achat. Il y a le retargeting, bien sûr, le marketing automation et bien sûr le contenu. Le contenu et la valeur du contenu que vous allez apporter. Plus vous apportez du contenu de qualité, plus les internautes vont progresser dans le parcours d'achat. Voilà, ça c'est adapté. Donc, la suivante peut-être. Alors, un exemple de campagne multicanal qui va être découpée en trois phases. Phase de pré-lancement, lancement et post-lancement. Parce que c'est voilà, une campagne, c'est compose toujours en trois étapes. On peut faire quoi? Ben, on peut faire des posts, des articles de blog, des vidéos qu'on va utiliser et qui vont servir à développer la notoriété. Et on va peut-être utiliser son site internet, mais pourquoi pas des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook ou Instagram, peu importe. Dans la phase de lancement, ben là, on est dans la phase de notoriété. On va utiliser un webinaire, par exemple, qu'on est en train de faire maintenant, là. On peut utiliser aussi des infographies. Et on va utiliser des outils d'emailing et puis de mesures d'engagement client pour savoir qui s'est inscrit, mais qui s'est inscrit, mais qui a participé, qui a visionné le webinaire ensuite, etc. Donc, ça, c'est des choses importantes qui vont nous permettre de scorer, mettre un score au lead. Et puis ensuite, ben, vous allez pouvoir utiliser des formulaires, des livres blancs pour essayer de faire progresser votre internaute dans son parcours d'achat en utilisant le marketing automation et d'autres tactiques. Slide suivante, c'est tout bien. Et moi, je vais vous laisser parce que j'ai une autre réunion, mais je vous laisse en bonne compagnie avec Alain et Anissa. Bon courage pour la suite. Je sais que vous êtes bien accompagnés, donc je vous souhaite le meilleur et le plaisir de pouvoir travailler ensemble dans ces jours, j'espère. Au revoir, Merci. Jules. Merci pour toutes ces Au informations. revoir, Gilles. Oui, Pourquoi je donc, ouais, merci. Donc, la dernière étape, parce qu'une fois que vous avez mis en place toutes vos opérations avec le contenu qui va avec, bien les opérations, elles sont en place, mais elles vont continuer. Il faut les faire vivre et pour savoir ce qu'il faut améliorer, il faut faire comprendre ce qui marche. Il faut faire un reporting, c'est essentiel. Et puis, c'est très bien adapté pour le marketing digital. Vas-y, Anissa. Voilà, donc le marketing digital va vous ramener beaucoup, beaucoup d'informations, de données, et vous allez pouvoir comparer et prendre des décisions basées sur ces données. Vas-y, change de slide. Voilà, donc là, c'est juste un signal pour insister sur le fait que vous allez avoir beaucoup de données. Par exemple, vous allez avoir accès aux données de Google Analytics avec des cookies. Vous pourrez voir sur quelles sont les pages qui sont visitées par les visiteurs. En utilisant les adresses mail et les adresses IP aussi, vous pourrez traquer les prospects, les visiteurs et suivre leur parcours sur le web. Et il y a des outils qui permettent de récupérer tout ça et de suivre l'ensemble des parcours des prospects et même de vos clients sur le web. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les techniques de captation de données. Ce sont des outils qui font ça pour vous. Ils le font très bien. Je vais insister sur les bénéfices qu'on peut tirer
Sur le reporting, Anissa, s'il te plaît. Il y a trois grandes catégories de bénéfices. Vous allez avoir donc une meilleure compréhension de vos résultats online et ça va vous permettre notamment d'obtenir des informations sur votre public cible et d'affiner vos personas et d'affiner vos différentes campagnes. Ils vont vous permettre de fixer les bons objectifs. Vous allez pouvoir mesurer les taux de conversion réels que vous obtenez. Et comme ça va vous permettre de sélectionner, de vous concentrer sur les bons canaux et même de vous concentrer sur les bonnes offres. Et puis, avec tous ces chiffres, vous allez pouvoir déterminer sur quel facteur vous allez jouer pour raccourcir votre cycle de vente et maintenir, voire réduire un coût faible par prospect. Donc, je vous ai dit qu'il y a des outils qui font ça. Chez WSI, on utilise beaucoup HubSpot et SharpSpring. Je vous invite à vous rapprocher d'eux. Ils vont vous faire des démos produits. Ils sont très friands de cela. Je vais terminer en vous présentant quelques statistiques sur un site e-commerce qu'on avait lancé. C'est les stats au bout de 3 mois d'opération. Et à partir de ces stats, on a pris des décisions. Donc, vous voyez, on avait des informations sur l'âge des gens qui venaient sur le site et on a été surpris par le taux des jeunes, disons des moins de 30 ans, qu'on pensait beaucoup moins élevé. Et on s'est aperçu que les offres de nos clients attiraient également ce public. Et puis, vous avez en bas à droite les taux de conversion en vente selon les différents canaux. Donc, comme a dit Gilles, l'emailing qu'on a optimisé depuis était le meilleur. La recherche, le référencement payant, on avait 1,35% de visiteurs qui achetaient. Donc, on a fait un effort sur le blog pour attirer plus de visiteurs et ça a augmenté également le volume. Et puis, on était en échec sur les réseaux sociaux qui généraient énormément de trafic et sur lesquels on avait très peu de ventes. Et là, ça nous a mis à reconsidérer nos stratégies de community management sur Facebook, Instagram et Pinterest. C'était trois réseaux qu'on utilisait pour mieux cibler les populations qu'on faisait venir sur le site parce qu'on s'est aperçu qu'on faisait arriver beaucoup de monde qui finalement n'était pas du tout intéressé par les offres du site. Voilà, tout ça, c'était pour vous montrer à quoi peut servir le reporting. Donc, en résumé, s'il y a 4 points à retenir, ce sont les suivants. Définissez vos objectifs de revenus. Cela va vous permettre ensuite, avec les taux de conversion que vous allez mesurer, de définir exactement quels sont les budgets à investir et donc quels sont vos objectifs de ressources pour obtenir les prospects qui vous permettront de faire les revenus. Comprenez absolument bien vos buyers persona et leur parcours d'achat. N'hésitez pas à revenir en arrière avec le reporting lorsque les opérations sont lancées. Créez le contenu et adaptez-les au chemin de conversion. Et puis surtout, testez, essayez, retestez, mesurez en permanence les résultats pour optimiser toutes vos opérations. Anissa? Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Les consultants WSI sont en votre service. Donc, si vous voulez. Comment? Exactement, exactement. Les consultants WSI sont toujours à Voilà. votre service. Voilà, donc nous sommes une vingtaine en France. N'hésitez pas à contacter un consultant WSI qui est dans votre région. Il se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Alors, donc maintenant, on va prendre place aux questions. Donc, merci déjà, Alain Patissant pour tous ces informations. Gilles aussi, on l'a remercié tout à l'heure. Puis, bah, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, je vois que j'ai quelques petites questions. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des questions aussi, à poser vos questions dans la petite chatbox ou dans la petite box questions, pardon. Alors, donc, Alain, je vais commencer par une première question assez générale. Donc, est-ce que c'est plus difficile de trouver de bons prospects pour une petite PME ou alors c'est beaucoup plus difficile pour trouver de bons prospects pour une grosse PME, pour une grosse entreprise, pardon. Grosse entreprise.
Non, c'est pas plus difficile pour une PME. En fait, ce qui rend la chose difficile, c'est l'étendue de l'offre et des services qu'on propose, et donc l'étendue du marché, les différents personas qu'on adresse. En général, nous, avec nos clients, quand on travaille sur des PME, on a des marchés qui sont plus étroits parce qu'ils sont plus spécialisés sur des domaines. Non, c'est globalement, il y a moins de travail à faire pour définir une stratégie et il y a moins de ressources engagées pour obtenir des prospects parce que les choses sont plus étroites au départ, sont définies de manière plus étroite au départ. D'accord. Merci pour cette question. J'ai une autre question de Didier Blanc. Vous avez cité l'emailing, mais que pensez-vous du phoning et de sa prospection par le prospect? Oui, alors nous on a fait aussi on a sous-traité des opérations de phoning pour des clients. Alors j'ai un mot sur le mailing. Il faut avoir une base de données, une base de données conforme à la RGPD. Donc le mailing on peut pas le faire dans n'importe quel cas. C'est surtout un excellent outil pour fidéliser des clients et faire de l'upselling, de revendre des produits à des clients qui ont déjà acheté. Le phoning, c'est un outil de prospection. Ce que je pense, c'est que les expériences que j'ai eues là-dessus, c'est un outil qui apporte des résultats, mais il reste relativement cher. On l'utilise lorsque déjà on vend des produits d'une certaine valeur. Et puis, lorsqu'on a des clients, des personas qui sont difficiles à atteindre. Voilà, donc nous, on préconise à nos clients le phoning pour aller chercher des fonctions très précises, en particulier dans les grands comptes. D'accord. Ok. Alors, donc j'ai une autre question de la part de Frédéric Lejeune, qui dit qu'on est une société internationale et nationale aussi, et qu'on n'a pas de persona prédéfini par domaine d'activité B2C. Alors, je vais me permettre de répondre à cette question et tu me corrigeras après, Alain, Ouais, vas-y, je t'en prie. si c'est faux. Alors, déjà, merci pour cette question. Et en effet, donc, nous sommes un réseau en fait de franchises internationales. On a plusieurs agences en France, en Europe, enfin, dans le monde, hein. Mais en fait, tout simplement, chaque agence va avoir des personas différents parce que, par exemple, une société une agence située à Saint-Germain par un autre franchisé va plus toucher les grosses entreprises ou nous par exemple on va plus toucher les moyennes entreprises. Alain lui aussi va plus toucher les petites et moyennes entreprises. En fait on est très différents et c'est pour ça qu'on n'a pas de persona prédéfini directement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non. Alors. Ok, bon, ok, merci beaucoup. J'ai répondu à la question. Bon, très bien, bravo. Une autre question. Comment je fais pour attirer un buyer persona et combien ça prend de temps en fait? Alors, le buyer persona, vous allez l'attirer en comprenant ses problèmes, ses émotions, quand c'est du B2C, en comprenant ses challenges. Quand on est plutôt sur du B2B. Donc, c'est pour ça que personnellement, on va beaucoup travailler sur les problèmes et les émotions qu'il ressent, les freins à l'achat, de manière à apporter des réponses à travers le contenu. C'est le contenu qui va attirer le persona. Donc, c'est très important de bien bâtir un persona pour ensuite travailler à la fois sur les messages, sur le contenu texte que vous allez livrer. Et sur le format aussi du contenu. Je vous ai parlé de vidéos, d'infographies, par exemple, de livres blancs. Donc, c'est. Oui? Pardon, Alain, je t'ai coupé. Et par rapport au contenu, comment je sais si mon contenu a de la valeur? Est-ce que tu Le contenu, il aura de la valeur.
De manière très simple, à partir du moment où vous allez répondre à des questions très précises et des problèmes de vos personas. Donc, on en revient à la définition du persona et de ses problèmes et des questions qui se posent. Et après, vous le saurez réellement si votre contenu a de la valeur avec les taux de conversion que vous obtenez. Donc, il peut y avoir des échecs, on peut se tromper, on peut cibler un mauvais persona, on peut ne pas avoir bien compris ses erreurs. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner d'un professionnel, parce qu'au final, c'est le reporting qui vous dira si ce que vous avez fait est conforme ou n'est pas conforme par rapport à votre marché. Okay. Et j'ai une dernière question par rapport à l'outil Answer the Public. Est-ce que cet outil-là est un outil gratuit? Oui, alors on l'a mis parce qu'il est gratuit. OK. Clairement, il est gratuit. Maintenant, les outils qu'on a cités comme Semrush, il y a des concurrents, ils ont les mêmes fonctions comme Sort de public, mais ils sont payants. Voilà. OK. Vous avez beaucoup, beaucoup d'outils gratuits en ligne pour vous aider à avancer. Ils sont moins performants, bien sûr, que les payants. D'accord. Bon. J'ai répondu à toutes les questions. Donc, il y en a eu pas mal, hein. On a fait vite. Du coup, je vous remercie. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers les consultants de WSI si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi recevoir quelques brochures, quelques e-books, etc. N'hésitez pas. Niveau contenu, on a ce qu'il faut. Pour la présentation et pour le webinaire, bien évidemment, le consultant WSI vous enverra du coup tout ce qu'il faut. Alors, donc, du coup, je vous remercie. Ça a été Merci. un vrai plaisir et bien évidemment, lisez notre livre Digital Minds qui est disponible en français sur Amazon. Et des consultants WSI pourront vous l'offrir aussi. N'hésitez pas. Merci à tous, je vous dis Merci. Au revoir. pour notre prochain webinaire. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bon. Voilà.